Par là, malgré le fait que je ne sois pas forcément un spécialiste de la montagne, comment ça s'est passé, Fabien, pour vous devenir? Bah, il faut se battre, voilà. Je vais vous solliciter une première fois. Après, on va faire un maximum de bruit pour encourager ces coureurs, espoirs, 19-22 ans. Ce sont les futurs coureurs du Tour de France. 1, 2, 3, on fait du bruit! Et on va faire le décompte tous ensemble. Vous êtes prêts? 10, 9, 8, 10, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Il est là quand même, le deuxième du classement général. Et le premier marqueur. En première ligne, l'arche de départ. Maintenant, il va falloir tout simplement le récupérer. Allons maintenant et nous concentrer ensuite sur le classement. Bien sûr, général de ce Tour de l'Avenir. Les coureurs sont à moins de 500 mètres de la ligne maintenant. On va les voir débouler dans quelques instants. Marcelaire, le coureur de l'équipe Movistar. Victoire de Marie-Jean qui remporte tout simplement cette dernière étape. Et regardez le vainqueur de ce Tour de l'Avenir, Marc Soler. Sous l'œil attentif de son papa, de sa maman qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Ils ont bien raison parce qu'ils ne sont pas venus pour rien. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Marc Soler, le coéquipier de Nairo Alexander Quintana, le coéquipier d'Alejandro Valverde, vient s'imposer dans l'étape du jour. On attendait les Sébastien et la haute. Vous pouvez la connaître très très fort, cette dame-là. Et là, c'est Manuel Jo. Nous n'avons pas nous-mêmes. Qui a fait une saison absolument magnifique et qui clôture un petit peu l'objectif de la saison de avec ces deux hommes. Nous avons Simone Petit qui vient de passer la ligne. Il va donc prendre une place parmi les 5-6 meilleurs de ce Tour de l'Avenir, vu le marqueur de la ronde de Bizarre.